say the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told ya. Bon bah j'ai qu'un coach qui s'est retourné, mais bah, je crois que je vais aller dans ton équipe. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Yacine. Et ouais, vous l'aviez reconnu, donc j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de cette petite enceinte Beomaker. Mais on va pas parler que de ça. Je garde le micro, parce que c'est rigolo déjà, pour vous présenter la vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Déjà, on va parler de l'enceinte Beomaker dans un premier temps. Dans un second temps, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu de réverb là? Un peu de réverb. Allez, un peu de réverb. Ouais. Dans un second temps, on vous parlera d'un petit produit qui vient de sortir, le DJI FPV. On a nos impressions à vous donner et peut-être, pourquoi pas, quelques conseils. Cette vidéo est également un concours. Vous pourrez gagner dans cette petite vidéo la SG1604 qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, une voiture de drift. Donc soyez bien à l'écoute parce qu'il va falloir être à l'écoute, tout simplement. Et puis on vous parlera aussi d'un petit live qui aura lieu fin mars, je pense, avec mon ami Yacine, bien sûr. Pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Carrément, ouais. Un peu impatient pour le deuxième sujet. Ouais, le DJI FPV, ouais, on a pas mal de choses à vous dire. Bon, on coupe le micro, je vous parle de l'enceinte tout de suite, et on revient. Donc on va faire un petit tour des specs, forcément, puisque il faut en passer par là, même si les specs, c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre en route et de voir le rendu que ça a, tout simplement. Donc cette petite bécane, après, on va vous dire à quoi ça peut servir et quelle utilisation, tout simplement. Mais pour parler des specs, comme vous le voyez, donc déjà, on a une belle boîte, c'est bien emballé, il y a du polystyrène, etc. Ça vient de chez Amazon, donc la livraison est assez rapide. Et cette petite enceinte, pour tout de suite, coupé court aux questions, vaut 129,99€. Ça peut paraître un petit peu excessif, mais quand on voit le rendu et les utilisations qu'on peut en avoir, c'est pas si cher que ça. Bref, c'est bien du Bluetooth 5.0, tu confirmes? Je confirme. La fréquence réponse? 50 Hz à 15 kHz. Donc ça parlera à ceux à qui ça parlera, bien sûr, c'est pour ça qu'on va faire très très vite. On a la FM, donc la fréquence, la bande complète de la FM, bien sûr. On a un DC input, donc une alimentation 18 volts, qu'on va pouvoir également alimenter avec une prise allume-cigare pour pouvoir le recharger en voiture, par exemple. La dimension du produit, 37x22x48, elle fait 5 kg, donc ça, c'est important de le dire, parce qu'elle n'est pas forcément très très lourde. Power, alors la puissance, c'est un peu compliqué. Là, on a trois gammes de puissance différentes. On va vous donner 50 watts RMS, 100 watts en pic et 500 watts en PMPO, qui est à peu près l'indice de la sensation d'écoute, tout simplement, pour faire court, pour résumer. Mais on n'est pas sur du 500 watts, bien évidemment, hein, c'est pas une enceinte de discothèque. Donc nous, on va rester sur du 50 watts RMS, même si ça veut pas vraiment dire grand chose. C'est difficile d'exprimer l'environnement dans lequel tu vas l'écouter. Il y a plein de choses à prendre en compte. Même les grands constructeurs vont donner des informations, mais seront pas capables de te donner exactement une norme. Je prends l'exemple de Bose, par exemple. Ne donne jamais la puissance de leurs enceintes. Donc, de toute façon, quand on veut acheter une enceinte, le mieux, c'est d'écouter ce que ça donne, tout simplement, avant de l'acheter, ou de voir une review qui va vous en parler, une review honnête, j'ai envie de dire. Là, moi, je voulais un truc qui bounce et je suis fan de karaoké comme ma fille. Malheureusement, ma fille ne veut pas passer sur YouTube. Donc voilà, moi j'aime bien aussi le karaoké et c'est vrai que j'ai un système karaoké avec deux micros, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de régler un karaoké, d'avoir le bon son du micro par rapport au son externe, etc. ou à la musique qu'on envoie. Et bien là, franchement, on s'amuse quand même pas mal. Donc le Bluetooth, c'est du 5.0, on l'a dit, donc jusqu'à 15 mètres de portée. La batterie, c'est une 2000 mAh, on vous l'a dit, donc ça fait 2200 mAh, pardon, 11V1, et on a environ 4 à 5 heures d'autonomie, mais on peut aussi s'en servir alimenté, tout simplement. Donc oui, ça prend un peu de place. Oui.
On est d'accord. Hip play. Plus grosse boîte que les drones. Donc je suis pas musculator, hein. 5 kilos, ça se porte franchement. Et tout de suite, il y a une chose qu'on va voir ensemble, c'est que non seulement on a une grosse poignée ergonomique ici, le matériau c'est de l'ABS, donc c'est super solide. Ça fait vraiment petite enceinte sono. Professionnel entre guillemets au niveau du matériau, il y a pas de fioritures quoi. Non. Il y a pas des LED, il y a pas voilà, c'est il y a pas de boule à facettes. Donc ça fait vraiment petit bloc. On a deux haut-parleurs à l'intérieur, on a un haut-parleur ici de 8 pouces, donc environ 20 et quelques centimètres, et un tweeter de 3 pouces, donc environ 9-10 centimètres, qui suffit largement à avoir un rendu de basse mais excellent. Franchement, c'est pas un caisson de basse, mais d'ailleurs, tout de suite, tiens, on va vous mettre le petit morceau qu'on vous avait fait en extérieur ouais. avec Yacine. Je vous mets ça et on en reparle. C'est une petite enceinte Bluetooth, c'est fun. Écoute bien. On vous a trollé en fait, on fait pas un drone. Non, mais je pense que. Rêve parti. C'est ça. Après, je l'utiliserai pas pour voler quand je fais mes vidéos, bien sûr. Mais je pense qu'on l'emmènera pour nos petites sorties. Sorties cet après-midi. Donc là, on est à peu près à 10 mètres de la petite enceinte Bluetooth. Je vais monter un peu le son. Je sais pas si vous avez un bon rendu. Nous, on l'a bien. Je m'en rapproche. En fait, derrière mon sac à dos, c'est pas un sac à dos. Donc vous avez vu, même dehors, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, j'ai été surpris par le rendu des basses en extérieur à 10-15 mètres. Je sais pas si on te voit, mon pauvre Yassine. Je suis caché, c'est t'es pas caché grave. Derrière l'enceinte. Pourtant, t'es assez imposant habituellement. Et là, non, ridicule, on voit plus. Donc ouais, bon rendu de basse, bon rendu d'aigu. Franchement, je vais pas dire que c'est le haut de gamme. Forcément, on est qu'à 120 euros, hein, 129 euros. Mais par contre, si vous cherchez un truc qui envoie du pâté, ça envoie du pâté. Après, on va parler surtout à quoi ça peut servir. Donc ça peut servir dans différentes situations. Karaoké, je vous l'ai dit, que ce soit à la maison ou en extérieur. Animation. Animation, si vous avez une soirée à animer, que pareil, dehors ou à l'intérieur, vous allez pouvoir faire de la démo, vous allez pouvoir faire de la postiche, comme on dit aussi, pour les posticheurs sur le marché, ou une animation tout simplement. Sinon, ça peut servir également simplement d'enceinte Bluetooth, ça vous l'aurez tous compris. Donc pas mal d'utilisations possibles, si t'en vois une autre... Moi, ça pourrait me servir dans mon domaine, hein, de coach sportif. Oui, pour tout animer à fait. Les cours, oui, ça rentre dans l'animation, t'as raison, en tant que ouais, coach sportif, donc pour pouvoir s'adresser à une petite foule. Ouais, et puis sinon avoir un fond sonore, je sais qu'on a pas mal de musique sur système Tabata, ça parlera peut-être à certains, et au moins t'es calé sur la musique, ça te donne les temps de récup. Tabata, rien à voir avec Tabata Cash. Non, rien à voir. Ça me parlait pourtant, je sais pas pourquoi. Ouais, donc carrément, c'est très pertinent, Yacine, c'est vrai que donc ça va pouvoir servir dans pas mal de domaines où on a besoin de porter sa voix, tout simplement. Autrement dit, en loisir aussi, pour pouvoir travailler ses imitations, pour pouvoir faire des bruitages, du beatbox, etc. Bref, c'est une enceinte fun à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler des connexions. Hop. Donc je vais pas zoomer, je pense que vous verrez tout d'ici. On a un branchement USB ici pour rentrer simplement une clé USB et avoir accès à des morceaux. Ici c'est une prise de charge si vous voulez charger votre téléphone en même temps que vous l'utilisez par exemple. Une entrée auxiliaire ici et bien sûr vous aurez un câble auxiliaire en jack 3.5 ici fourni car vous pouvez brancher votre téléphone ou une autre source directement sur l'auxiliaire, un PC, une télé, je ne sais quoi. Vous avez une entrée micro. Sur lequel on aura ces réglages ici avec autant le volume que l'écho, la réverbération. Et vous avez une entrée guitare également ou instrument de musique. Vous pouvez brancher un synthé, je ne sais pas, n'importe quel autre instrument de musique, même un deuxième micro, vous allez pouvoir aussi. Et ici, vous avez le volume indépendant pour cette deuxième entrée. Oui, ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans l'utilisation, mais le petit gratteux qui veut pouvoir pousser la chansonnette en faisant de la guitare ouais. Ça peut être un bon petit ampli aussi, à moindre coût, bien évidemment. Et puis, l'entrée ici, alimentation, tout simplement, pour la recharger. Et vous avez le petit transfo fourni 18 volts, bien sûr. Une charge complète, il va falloir 7-8 heures de charge complète pour pouvoir avoir les 4-5 heures d'autonomie. Mais à tout moment, vous pouvez brancher pour recharger, hein, tout bêtement. Donc, au niveau des potards, on a le volume principal, les aigus et les basses, bien sûr. On va avoir un petit panneau LCD ici, je vais la mettre en route. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, volume, guitare et l'écho.
Au niveau des boutons, on a donc la mise en route ici. Il faut maintenir 3 Power secondes. On. Power on. Elle Bluetooth. Parle. Bluetooth. Donc là, elle va vous dire dans quel mode vous êtes. Et là, automatiquement, elle s'est connectée à mon téléphone puisque j'étais connecté. Dans un premier temps, si vous voulez la connecter, il faudra maintenir le bouton pairing ici pendant 3 secondes. Disconnect. Et là, elle se déconnecte puisque j'étais connecté. Donc je rappuie comme si je n'avais rien. Pairing. Pairing, là, elle est en mode appairage, tout simplement. Et là, comme d'habitude, vous allez dans votre téléphone, vous cherchez PLARC 06 ou 01 et vous vous connectez directement à l'enceinte. Ensuite, au niveau des boutons, on a le retour ou l'avance rapide. Ça, si vous êtes sur une clé USB, qui va servir également pour la recherche radio, puisqu'il y a également une fonction radio. Là, lecture, pause, pareil sur la clé USB ou pour votre Bluetooth, tout simplement. Parce que là aussi, on va pouvoir zapper, si vous êtes relié en Bluetooth sur votre téléphone, vous allez pouvoir avancer ou reculer d'une chanson. Vous avez un scan ici qui va servir, lui, pour la radio. Et source, là, pour changer simplement la source. Alors, vous maintenez quelques secondes ici. AUX, donc AUX, auxiliaire tout simplement, ça vous écrit Line In, et vous avez le taux de batterie qui se met en dessous, donc là elle est chargée à fond. On va rappuyer, on va avoir accès FM, à la radio. FM, je vais baisser le volume tout de suite, voilà, et on va rappuyer, tac, Bluetooth. Pour revenir au Bluetooth. Je vous ai dit, il y avait une fonction... Connected, bah, il s'est connecté tout seul, forcément. Vous avez une fonction, je vous l'ai dit, USB. Alors pour ça, vous avez une petite télécommande fournie avec, sur laquelle on va pouvoir avoir accès à tout, sauf la mise en route. On va pouvoir l'éteindre à partir de la télécommande, mais on ne va pas pouvoir l'allumer. Il faut absolument toucher sur l'enceinte pour l'allumer. Et ici, on a toutes les informations, donc Bluetooth, FM, auxiliaire in, USB, pour changer tout simplement la fonction sur laquelle vous allez être. Et en dessous, vous avez des equaliseurs différents. Donc on va lancer la petite musique que j'avais tout à l'heure. Tac. Vous le savez, je mets des musiques libres de droit, forcément. Celle-là, vous la connaissez. Made of Something. J'ai été surpris d'ailleurs de trouver les karaokés et les lyriques de ces petites chansons de chez NCIS. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vais mettre un peu de son. Ici. Donc pour régler le son, vous avez deux solutions. Soit vous mettez votre téléphone à fond au niveau du son, et ensuite vous réglez ici. Donc là on est proche, hein, ça pique. Hein, ça... Soit vous mettez l'enceinte à fond, et ensuite vous réglez le volume avec votre téléphone tout bêtement. Hop, je vais baisser à fond, je mets l'enceinte à fond ici, et là je monte le son. Pour pouvoir régler la sortie, hop, je mets pas trop fort. Et donc je vous parlais des equaliseurs. Donc c'est parti. Là on est sur Music. Party. Donc un peu plus profond. Ouais. Ça tape un peu plus. On a un autre Music. C'est un peu plus soft. Et on a le quatrième où là on a un peu plus d'aigu. Ça tape. Voilà, on aura plus l'impression du 3D par exemple. Je vais baisser un petit peu. Donc vous avez accès aux equaliseurs aussi en cliquant une fois sur le bouton source, ici. On a equaliseur 1, equaliseur 2, equaliseur 3, equaliseur 4, tout simplement. Et sinon, bah, tout le reste, vous avez les fonctions, bien sûr, marche arrière, marche avant, play, pause, volume, plus et moins ici. Et tout le reste, c'est pour augmenter les basses, les aigus, sur le micro, sur la guitare. Vous avez également l'écho. Vous pouvez régler absolument tout directement de la télécommande, pas obligé de revenir à chaque fois à l'enceinte. Donc voilà pour le fonctionnement de ce petit bébé. Franchement, ça cartonne, ça envoie sévère du pâté, comme on dit. Tac. Bowmaker, c'est la marque. Donc Bowmaker, c'est la marque de l'enceinte. Et sinon, la référence du produit, c'est l'ARC, L-A-R-K, PA01. Mais la marque, c'est bien Bowmaker. Bowmaker, ok. Ouais, c'est ça. C'est Bowmaker. Bowmaker, c'est ça. Donc tout ça pour dire quoi? Bowmaker, c'est bien beau, mais si on le dit, c'est qu'on a une raison. Donc c'est le principe du concours. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez gagner la petite voiture qui est là, la SG1604 qu'on a vue ensemble il n'y a pas très longtemps, vous allez pouvoir participer tout simplement en notant le nombre de fois où on va dire Bowmaker. Oh, tu le dis bien.
Vas-y, redis, va. Bowmaker. Oh, faut faire des coches. Hein. Donc, je vous le dis maintenant, pour pas que vous ayez toute la vidéo à regarder, puis ensuite revenir pour compter les Bowmaker. Pas falloir qu'on le dise trop souvent non plus. Mais on va en glisser un de temps en temps quand même. Donc voilà, pour participer au concours, mettez dans les commentaires. Vous savez, il n'y a pas besoin de liker, pas besoin de partager. Ça, vous le faites si vous en avez envie, si vous aimez les vidéos, tout simplement. Mettez-moi dans les commentaires, simplement, le nombre de fois où on a dit Bowmaker. C'est facile. C'est facile. C'est assez simple. Il suffit simple. De compter, en fait. Il suffit de compter. Voilà. Il y a et pas de regarder piège. La vidéo en entière. C'est ça, parce qu'il peut y en avoir un dans l'outro, par exemple, ou ce par genre exemple. De choses. Voilà. Donc, comptez bien pour ceux qui veulent participer et vous pourrez gagner la petite Gorilla 16 qui est là. Excellente petite voiture, rigolote comme tout. Et bien sûr, c'est le modèle avec les 3 batteries, avec les 8 roues, etc., etc. Elle est complète. Elle a 2-3 petites rayures sur le dessus, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Elle est comme neuve. Et en tout cas, elle fonctionne bien. Donc voilà, pour notre première partie, donc l'enceinte Bowmaker. C'est juste les fois où on le dit, hein, que ce soit Yacine ou moi, c'est pas les choses qu'on voit écrites, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste ce qui sort de nos bouches. Donc la petite Lark P01, tout simplement, bon petit joujou, on va conclure là-dessus. Franchement, on a été surpris de sa puissance. Moi, c'était agréable, là, quand je suis allé voler avec l'autre jour, là, ouais. Le Gamelodrone. Ouais, parce que c'est vrai que dans cette vidéo, ouais, on vous a montré vite fait l'enceinte et le rendu, les quelques petites images que je vous ai mis du vol de Yacine, là, il volait sur sa musique. Sur l'enceinte derrière, on n'a pas mis forcément à tue-tête, mais on a vraiment un bon son. Oui, ah ouais, oui le voilà. Son est clair. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un petit défi tout à l'heure, je ne l'ai pas noté, mais tu vois, ça me revient. Ah. Un petit défi qui peut être sympa quand on aura l'enceinte, c'est par exemple de t'es prêt à décoller, ouais. Et je te balance une musique. Et je vole en fonction et de ce que j'entends. Bien sûr, je prends le masque, et tu dois essayer d'être synchro avec, la musique. Essayer de voler en fonction de la musique. Tu vois ça me plaît. Donc ça. Je pourrais te mettre Edith Piaf par exemple. J'irai voir les Piaf, c'est bah, ça Piaf, ça vole. Non, mais ça peut être sympa en matière de défi si vous êtes à plusieurs dans un masque. Si tu mets de l'art tech ou de l'électro, ça va être compliqué. Ouais, hein. Non, mais ça peut être rigolo. Une musique, tu t'y attends pas. On te balance une musique dois voler, faire des figures en fonction de ce que t'entends. Préparer un petit peu. Donc quand c'est des musiques qu'on connaît, ça va parce qu'on peut anticiper un peu. On sait qu'il va y avoir une montée, on sait qu'il va y avoir des coups de pêche. Mais quand tu connais pas, c'est vrai qu'il faut que t'improvises un petit peu. C'est de l'impro total, ouais. Bon, c'est des musiques qu'on connaît généralement, mais sur lesquels on ne s'est pas entraîné à voler. Oui, mais bon, comment ça se passe si c'est des musiques qui ne sont pas libres de droit? Ah, mais ça, c'est quand on est entre nous. C'est des petits défis entre nous. Voilà, c'est des défis qu'on peut se lancer quand on a une petite enceinte Bluetooth à emmener sur le terrain. Pensez-y, ça peut être marrant. Vous êtes avec un pote à voler. Bah tiens, je te mets au défi. Moi, je prends le masque aussi, je regarde ce que tu fais. Je te mets au défi de voler là-dessus et puis de faire des figures en fonction de la musique. Ça peut être sympa. Et l'avantage, c'est que s'il y a un montage vidéo derrière, vous êtes déjà calé dessus. En plus, bref, on va pas passer des heures là-dessus. On a fait le tour. Donc l'enceinte Bowmaker, nous, on valide parce que franchement, c'est sympa comme tout. Ma fille valide aussi, même si elle veut pas passer à la télé. Ma fille valide aussi. Elle l'avait dans sa chambre il y a encore une heure ou deux. Donc voilà, je peux vous assurer que ça envoie bien et qu'on a bien les différences de son entre le micro qu'on va pouvoir régler en fonction de la musique. C'est vraiment bien fait. Et encore une fois, elle envoie du pâté. Faites-vous votre propre idée là-dessus. En tout cas, moi j'aime bien. Je valide. Je trouve pas ça excessif. Voilà. Bowmaker, souvenez-vous du nom. Comment ça s'appelle? Bowmaker. Donc uniquement disponible sur Amazon. Bah là, en tout cas, moi, ça m'a été envoyé par Amazon. D'accord. Donc oui, moi, je mettrai le lien dans la description Amazon. Je sais pas si j'aurai un coupon ou pas. Je ne pense pas parce qu'ils sont déjà au ras des pâquerettes, je crois. Mais en tout cas, le lien sera dans la description, bien sûr. Pareil, vous retrouvez le lien du tableau de coupons et promos. Et vous savez que quand vous utilisez un de mes liens Banggood pour acheter n'importe quoi, hein, un câble ou une boîte d'allumettes, je sais pas s'ils en vendent, vous participez au concours permanent. Et sachez que là, dans cette quinzaine là, vous avez le petit casque Apollo Q10 en jeu, ainsi que le petit pack complet bêta FPV que je vous avais proposé, la radio, le masque, le drone, tout préparé, tout réglé. Donc voilà, vous pouvez encore participer au concours jusqu'à vendredi prochain, puisque le résultat sera samedi prochain. Et voilà, Didier, spécial dédicace à toi. Je fais des concours encore dans les vidéos. Il n'y a pas que le concours permanent. La preuve aujourd'hui, dédicace à toi. Je te souhaite de gagner la petite Gorilla. Didier, je t'embrasse. On va attaquer notre deuxième sujet tout de suite. Donc, je vous ai parlé du concours. On va parler du live de mars, comme ça ce sera fait. Okay. Et on finira
sur un petit peu nos impressions sur le DJI FPV. Sur la hype du moment. Ouais, la hype, ça fait mal. C'est un mot qui fait mal, hype. Si, tiens, j'ai pas dit pour le Beaumaker, je termine quand même. Je vous ai parlé donc du micro qui était fourni avec le bouton on-off. Ouais, j'ai oublié le principal. Le bouton on-off, donc ce qui permet de, quand vous posez le micro à côté de l'enceinte, ça évite d'avoir le Larsen. Vous savez, si vous laissez en route, donc vous éteignez le micro, vous posez. Vous avez la notice d'utilisation à chaque fois, vous avez l'anglais, l'allemand et le français sur chaque page. Donc notice en français, Amazon, ça c'est régulier. Et vous avez également une petite carte pour une expansion de garantie et une petite carte ici pour pouvoir avoir un cadeau. Donc vous scannez le code, avec Chrome ça fonctionne pas, avec Internet Explorer ça fonctionne sur mon téléphone. On scanne ici le petit QR code et vous rentrez simplement votre numéro de commande là où vous avez commandé votre enceinte et vous aurez droit à un petit cadeau gratuit. Et donc, la Beaumaker, elle est garantie combien de temps? Je crois que c'est garanti un an. Un an? Il me semble. Ok. À vérifier. En tout cas, Beaumaker répond aux conseils, aux messages quand on leur envoie. Donc, ok. Je l'ai dit vite là, Beaumaker. Faites une coche à chaque fois. Hein. C'est beau. Je l'ai pas dit. Le live de mars, t'es ouais. prêt? Bah, je suis prêt. Je connais pas la date exacte. Moi non plus, je l'ai pas la date puisque j'attends de recevoir certains produits. On va faire un live spécial FPV, entre guillemets. Ce sera pas un live très très long. Forcément, il y aura des cadeaux à gagner. Oui. Ah, on peut pas faire un live sans faire des cadeaux. Dans ce live, on parlera surtout de masques, de lunettes un petit peu aussi. Ça, vous savez, vous connaissez mes impressions. Mais on va reparler masques parce qu'il y a un peu de nouveau quand même. Je recevrai le masque, je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent aller voir de quoi je parle. Le VR004 de chez eShine, c'est un nouveau qui vient de sortir il y a pas longtemps avec un écran détachable. Donc on parlera de masques bas prix. Mais correct, et de masques un peu plus évolués. On passera par le Hawkeye Little Pilot qu'on avait déjà vu ensemble, mais là on parlera de la version améliorée avec le DVR intégré, parce que c'est ce qui lui manquait sur le Little Pilot. L'image est superbe, la réception était bonne, mais il n'y avait pas de DVR. Il n'y avait pas de DVR, ouais. Voilà. Donc sur la nouvelle version, il y a un DVR, on vous en parlera, et je le ferai peut-être gagner. Peut-être. Sûrement. Le VR04, je le ferai peut-être gagner. Moi aussi. Et je finirai par le Cobra X, parce que le Cobra X, c'est pour moi, pour l'instant, un des meilleurs masques au niveau rapport qualité-prix. Le Cobra S, je ne l'ai pas testé, c'est légèrement en dessous. Oui. Voilà, vous n'avez pas les menus en français, etc. On redéveloppera là-dessus. En attendant, le Cobra de chez Skyzone, c'est vraiment pour moi le top actuellement au niveau rapport qualité-prix. Voilà, le S est moins cher, il est dans les 120 euros, je crois, sans coupon, et 150, 180, je ne sais plus, pour le Cobra X. Cobra X, ouais. Mais qui est vraiment top, quoi, avec le récepteur de chez Skyzone, le même que le Rapid Mix. Donc voilà, on fera un petit, pas un comparatif, mais une petite évolution des masques entre du bas prix pour s'initier et pas dépenser beaucoup jusqu'au masque qui va vraiment avoir de bonnes performances et que vous allez pouvoir conserver longtemps. Et on parlera aussi à nouveau de la petite Jumper T-Lite, la petite radio qui est là-haut cachée, parce qu'elle vaut le coup d'en parler. Je vous en reparlerai pour ceux que ça intéresse. Après notre retour, on aura eu le temps de piloter un peu plus avec. Je remettrai certainement un petit pack à gagner, vous savez, la petite EAT03 Interceptor, oui. La voiture plus la radiocommande. Là, il n'y aura pas le masque, mais je vous offre quand même des masques pendant la vidéo. Je vous referai un petit pack encore, voiture FPV plus radiocommande. Et après la vidéo, vous saurez quel masque acheter. Donc, vous n'en aurez pas besoin. Mais donc, pendant ce live, vous aurez au moins 3 cadeaux, c'est clair. Il y aura au moins une voiture et genre 2 masques à gagner. Ou... Je verrai, mais vous aurez des cadeaux de toute façon. Il y en aura. Voilà, on est obligé. Mais ça se trouve, même Yacine, il vous fera des cadeaux. Ça se trouve. Bref, rendez-vous à la date exacte qu'on ne connaît pas encore pour le live de fin mars. Ce sera à peu près fin mars. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous en dirai un peu plus, que ce soit sur Facebook, les tazous. Ce sera avant le couvre-feu aussi. Ce sera avant le couvre-feu aussi. Sinon, je dors chez toi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon, oui. Bah, je vais acheter un lit de camp. Ça marche. Ouais, on essaiera. Bah oui, je sais pas si on le fera à midi, du coup, peut-être après. Ouais, ou si je me fais une dérogation. Non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, on l'avait fait la dernière fois. Il n'y aura pas de participation instantanée dans le live pour gagner les cadeaux. Oui. On fera tous les cadeaux qui seront mis en jeu. Ce sera des participations dans les commentaires. On va voir comment on va faire. Mais comme ça, même ceux qui verront le live après, en rediffusion, en replay, pourront participer au concours, on va dire, dans les. 3-4 jours qui vont suivre le live, je laisserai peut-être 8 jours entre le live et la réponse et les cadeaux tout simplement.
ce sera pas plus mal. Bon, c'est du taf à venir encore, il va falloir cogiter. Il t'attendra de plus en plus. Non, mais savoir comment on va s'organiser, c'est surtout ça. Sinon, c'est un vrai plaisir à chaque fois, le toujours. Live, j'adore. Que ce soit qu'on le fasse pour ensemble, échanger, ouais. Ou que le live en lui-même, c'est vraiment fun, quoi. DJI FPV. Oh là là. Beau maker. Non, rien à voir. Non, rien à voir. J'avais envie de le dire. DJI FPV, on va en parler. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, j'ai craqué, je l'ai précommandé. On va tout de suite parler tarifs. Ouais. C'est assez intéressant parce que c'est un pack qui est proposé, allez, on va dire du grosso modo dans les 1300 euros. Voilà, 1349, voilà, shop français. Shop français, chez DJI ou chez Studio Sport, voilà, etc., ouais. Dans plein d'endroits. Déjà, à ce prix-là, je peux vous assurer, Yacine est d'accord avec moi, que c'est pas cher. On va s'expliquer. Alors, c'est une somme. C'est une somme. On est d'accord, c'est une somme. Maintenant, rien que si vous séparez les objets, le masque en lui-même vaut plus de 600 euros, le V2. Mmh. Le drone en lui-même vaut 700 $, donc 600 euros aussi. On est déjà à 1200 euros. Et vous n'avez pas de radiocommande, vous n'avez rien autour. D'accord ? Donc, c'est sûr que le pack en lui-même sera beaucoup plus rentable que les produits les uns à côté des autres. Et ça, c'est clair et net. Après, moi j'estime que c'est pas forcément très cher déjà, 1300 euros, même si ça reste un budget. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était pas cher. J'ai dit que c'était ça. Pour moi, ça vaut le rapport qualité-prix. Voilà, c'est pas cher entre guillemets par rapport à ce que les capacités du drone. Et tout ce que ça apporte. Tout ce que ça apporte. Tout ce que ça apporte. Et après, on va en revenir dessus. On débattra d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'un live. On en parlera peut-être pendant le live de fin mars. Je ne l'aurais pas reçu d'ici là, je ne pense pas. Mais donc, moi, j'ai craqué. Je l'ai commandé. On en a discuté avec Yacine. J'ai hésité longtemps. Mais, j'ai le dollar, oui. Ouais, donc il ne m'a pas poussé à le commander. Non. Mais voilà, il a fait que conforter ce que je pensais. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, en précommande, là, je vous remets le lien en description. S'il est encore valable, je ne sais pas. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de précommandes. Je sais qu'il y a certains masques qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient pas ils avaient atteint le nombre maximum. Et DJI a bien insisté sur le fait qu'il y a une commande possible par utilisateur. Ouais, c'est ça. Par rapport aux quantités réduites. Et là, Banggood, merci Banggood, j'ai envie de dire, nous propose une précommande. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, faut attendre, ouais, c'est de l'arnaque. Non. Je suis pas d'accord, c'est pas de l'arnaque. J'ai pour simple preuve mon Fimi X8 SE que j'avais précommandé. Je l'avais simplement payé 100 euros de moins que son prix de vente. Le prix de vente auquel il était après. J'avais payé 118 euros de moins que son prix. Il a fallu que j'attende 2 mois et demi. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'était plus long que prévu, mais j'ai fait une économie de plus de 100 euros. Là, sur le combo qu'il propose, donc le pack DJI FPV de base, Banggood propose des précommandes. Et là, avec les coupons que Mariette m'a donné, il y a 3 coupons différents, parce que le tout premier ne fonctionne plus. Ça vous fait le pack complet, c'est-à-dire masque V2 plus radiocommande DJI plus le drone DJI Racer, 1072 euros. C'est ça. C'est ça. Donc... Déjà en disant que le pack à 1300, c'était pas forcément excessif, là on va être à 1072 euros, là 1050 balles, entre guillemets, pour vulgariser. Mais, beau maker t'as droit de temps en temps. Oui, j'ai le droit. Pas trop, mais t'as droit. Même si tu veux me faire un rap, t'as droit. Beau maker. Là j'en ai qu'un. Il n'y en a qu'un là, il n'y a que le dernier. Bref, donc 1072 euros pour ce pack là, j'ai envie de dire, c'est donné. Il y en a même qui se sont dit. On m'a posé la question. On m'a dit, tiens, si je précommande le pack à 1072 euros, est-ce que je devrais payer autre chose pour qu'il soit expédié après ? Donc j'ai bien répondu, non, c'est bien 1072 euros le pack complet, 1070 euros. Un peu moins si vous enlevez l'assurance expédition. Et sinon, vous avez l'assurance taxe qui est automatiquement cochée. Ouais. Voilà. Ça, j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Sur une commande en express que j'avais fait sur Banggood, mais où j'avais coché l'assurance taxe. C'est pas toujours proposé en fonction de l'expédition qu'on prend. Là, c'était en Banggood Express, donc c'était pas un expedited. J'avais coché l'assurance, tout simplement, et j'ai eu 30 balles à payer sur un produit à 48 euros, je crois. J'ai eu 30 balles de taxe. Eh bien, Banggood m'a remboursé. Voilà, j'ai envoyé le papier douanier, tout simplement, que j'avais, le récépissé, et Banggood m'a remboursé la totalité des taxes que j'avais payées. C'est à ça que sert l'assurance taxe que vous pouvez cocher. Et là, en l'occurrence, Banggood ne l'envoie pas en express, là. Il l'envoie en courrier long, je crois. Ouais, peut-être. Pour éviter peut-être ces fameux droits de douane. Ouais, c'est possible, les droits d'auteur. De hauteur. Les droits de hauteur. voilà, donc,
Pour le prix, voilà, on aura fait le tour de la question. Pour ceux qui sont refroidis. Juste rebondir sur le prix, en fait, moi j'ai vite fait le calcul avec l'investissement que j'ai fait avec mon Gravity, que j'ai monté tout seul, donc qui normalement à 900€ m'a mis revenu un petit peu moins de 500. À ça, on rajoute la Tango 2 en arrondi à 230, parce que j'ai la version Pro. Et on rajoute le DJI V1, le masque, qui m'a coûté 450, qui normalement vaut plus. Donc on atteint le prix. T'as oublié des lipos. Ah non, mais là déjà je dis, on atteint le prix du drone du pack. Pardon, je reviens. Il s'en remettra. Et après à ça, il faut rajouter toutes les lipos. Vas-y. Et donc j'en ai 8, plus bon bah, le sac à dos, bon voilà. Mais bon, on dépasse largement le prix sac à dos. Du pack complet et après toutes les petits réglages sur Betaflight. Ouais. Tout ça pour dire que bon là en plus tu pars sur 1300€ de base. Si on part sur 1000€ en matière d'investissement FPV, quand on veut du gros matos, bon je parle pas de matos débutant parce que moi je prêche également, vous le savez, pour pouvoir investir le moins possible quand on veut débuter. Oui, oui. Hein, voilà, encore une fois, on n'est pas là sur du matos débutant. C'est du gros matos qui s'est acheté, on peut avoir beaucoup moins cher. Maintenant, pour ceux qui font du freestyle, qui sont à fond, ceux qui volent en juicy, ceux qui font des combos, enfin du bandeau, etc. Généralement, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils ont dépensé plus de 1000€. Ça, c'est clair et net. On est largement au-dessus. Des fois, rien qu'en budget batterie, vous achetez 5, 6, 6S, vous êtes presque déjà à... Bah, 35€ la batterie, on va dire, en gros. Quoi. Voilà. T'en prends 10, t'es à 350. On a vite atteint un budget de 500€ quand on vole régulièrement et souvent. Enfin, souvent et longtemps. Bref, tout ça pour dire que le budget, voilà, c'est un budget, mais c'est pas si cher que ça. Le prix est justifié, voilà. Le prix est justifié, voilà. Donc oui, nous, on ne l'a pas encore testé, c'est sûr. Par contre, on a déchiré les vidéos qui étaient sorties. moi, j'adore JB, Joshua Bardwell. Salut, si tu me regardes jamais, tu vas me regarder, mais salut, on sait jamais. Envoyez-lui le lien le lien où je dis « Salut, Joshua !» je kiffe ce mec-là, voilà, il va au fond des choses. Et donc j'ai vu ces deux vidéos de Joshua, j'ai vu des vidéos de crash test, j'ai vu des... Voilà, t'en as vu aussi. Moi j'en ai vu aussi, bon bah, Culture, Stéphane Couchou, voilà. Hein, comme je vous ai dit, j'ai hésité avant de le précommander, donc j'ai cramé de la vidéo, ouais, Couchou également. Donc on s'est fait notre petite idée, on a vu beaucoup de choses, pratiquement tout, hein, j'ai l'impression. Donc c'est assez facile pour moi et pour nous, entre guillemets, qui connaissons un peu, moi un peu plus, parce que je connais plus en matière de produits, DJI, FIMI, etc. Ce genre de drone. Yacine, lui, est plus passeur. Ouais, j'ai pas de rêve, ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand on fait la compile de tout ça, on obtient un style de Mavic qui va pouvoir faire du freestyle et qui a des options impressionnantes. Des options au niveau sécurité, je trouve. Au niveau sécurité, au niveau autonomie. Autonomie. Résistance, c'est pareil. Il y a eu pas mal de crash. Alors, j'aurais bien voulu voir comment ils se sont crashés. Mais en l'occurrence, moi, j'ai vu un crash test où l'engin résiste quand même énormément à des crash. Même les hélices toutes pliées après, il décolle quand même. Il est vraiment résistant pour un produit comme celui-là. À ne pas comparer avec un 5 pouces HGLRC, Sector 5 V3, par exemple. Ça n'a rien à voir. Moi, je tiens, on reviendra sur le sujet, c'est sûr, mais je tiens à préciser que si vous êtes fan de ce genre de 5 pouces, comme le tien, comme le Sector 5 V3, etc., que vous voulez taper dedans, que vous cherchez l'adrénaline, que vous cherchez les mouvements compliqués, la prise de risque, le vol en juicy, ce genre de choses, non ! Le drone DJI, il n'est pas fait pour ça, ça du tout. C'est pas comparable. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un mode accro sur le DJI FPV que c'est un mode racer freestyle. Pas du tout. Alors déjà, ça va vous coûter un peu plus cher. Et encore, au niveau des réparations, parce que là, on est au tout début, et quand on voit le prix de certaines pièces, on n'est pas inabordable. Non, le bras était à $19 sur leur site, et les hélices, voilà. Bon, les hélices sont un peu chères, mais bon, après... voilà, les hélices sont cliquent, un peu chères, elles sont pas, voilà. Mais comme je disais à Yacine, moi, sur tous mes pilotages de FIMI, Phantom 4, etc., depuis que j'ai commencé, j'en suis toujours avec mes premières hélices, quoi. C'est quand même ça qui est dingue. Donc,
c'est pas le genre de choses que vous allez bouffer au même titre qu'un racer. C'est pas du consommable, comme on dit, qu'on va racheter toutes les semaines. Quoi. Puis le mode accro, voilà, il a vraiment été mis sur ce drone pour permettre de faire des prises de vue cinématiques dynamiques. Dynamiques, c'est voilà. Ça. On n'en est pas au freestyle, au juicy, ce genre de choses, même si certains vont pouvoir le faire avec de l'entraînement. Et c'est pareil, ceux qui ont de l'argent à pu savoir qu'en faire vont être plus aptes à prendre d'énormes risques que ceux qui vont dépenser une paye pour pouvoir se payer ça. Là, franchement, je vous conseille pas de piloter de cette façon-là. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes amateur de freestyle, d'adrénaline, etc., et de même de montage de drones, de modifications et tatata, gardez votre engin. On en voit beaucoup qui vendent tout leur matos. J'ai vu beaucoup, oui, beaucoup d'annonces où tout le matos est à vendre. Donc libre à eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Mais si vous avez déjà une radiocommande, un ou deux drones, un masque ou deux, nanana, enfin bref, vendez pas tout pour investir là-dessus si vous voulez récupérer les mêmes sensations et faire les mêmes choses avec. Voilà. Le seul conseil qu'on peut vous donner, nous, c'est que ceux qui veulent investir là-dedans, voilà, c'est orienté pour qui ? Alors, pour les professionnels, c'est sûr, pour les télépilotes pro, ça, c'est sûr et certain. Parce que maintenant, on incrustait de plus en plus du racer, de ce qu'on appelle de la prise de vue dynamique, dans les prises de vue qu'on faisait avec du Mavic, du Phantom 4, etc., pour avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou de plus de proximité avec des cinéwhoop, par exemple. Mmh. Ça se faisait de plus en plus. Maintenant, c'est pas forcément du matériel qui va être autant sécurisé avec le blocage en vol, avec la stabilisation, avec l'arrêt d'urgence là qui l'arrêt d'urgence, le return to home, tout ça on l'aura pas sur un racer. On n'a pas le return to home où le racer va venir se poser là où vous voyez ce que je veux dire. Vous faites return to home, vous éteignez la radio, vous avez perdu votre drone. Hein. Il va pas se poser là où vous avez décollé, jamais de la vie. C'est même hyper dangereux. On vous l'a déjà dit. Et là, le truc super cool, grosse innovation, c'est le fail safe. Vidéo en fait. Ouais. Il y a un return to home si on perd la vidéo. Voilà, c'est ça. Donc ça, on approfondira un petit peu tout ça. On verra plus tard, mais voilà, c'est quand même un plus. Oui, c'est clair. Donc énorme sécurité, comme dit Yacine. Voilà, vous débranchez votre masque, le drone il revient, il se pose. Donc il peut se passer n'importe quoi. Le drone ne sera jamais perdu, sauf dysfonctionnement bien sûr. Là, personne n'est à l'abri. Oui. Mais sinon, il est hyper sécurisé, c'est clair. Pour ceux qui veulent voler sécurisé, comme je dis avec les FIMI, avec les fantômes, tatati, tatata, si vous ne voulez pas le casser, vous ne le cassez pas, sauf dysfonctionnement, hein, encore une fois, ou mauvaise utilisation. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est pas des drones qu'on abîme quand on veut pas les abîmer, tout simplement. Là, on va pouvoir faire des prises de vue donc dynamiques, mais beaucoup plus précises, parce qu'il a, il est sur des rails, quand on veut qu'il soit sur des rails. Au niveau maintien d'altitude, il va avoir un maintien d'altitude parfait, il a une stabilité impressionnante. On filme ce qu'on voit. On filme exactement ce qu'on voit, il n'y a pas de décalage entre la lentille FPV et la caméra GoPro qui est dessus en général. On va pouvoir, on verra les hélices ou pas dans le masque, mais en l'occurrence on peut les retirer dans la vidéo qui est enregistrée en elle-même dans le... Je parle pas de ceux qui vont retravailler les images parce qu'on peut tout faire après en post-prod, mais déjà vous avez une fonction là où vous n'aurez pas les hélices dans la vidéo, même si ça croppe un petit peu l'image. On garde un fauve super intéressant. Je crois qu'on garde quand même du 120-130 degrés au lieu du 150 où on voit un bout des hélices. Bref, il a des fonctions énormes. Cet engin. Oui, mais après, à approfondir, comme tu dis. Hein, voilà. Donc, il ne remplacera pas votre 5 pouces, c'est clair. Il ne va pas remplacer non plus votre petit teeny whoop avec lequel vous faisiez le cacou dans des bandeaux ou chez vous, pareil. Il n'aura pas la polyvalence d'un 5 pouces qu'on a actuellement, c'est clair. Non. Par contre, dans le côté prise de vue, il aura la polyvalence. Par contre, niveau prise de vue, le 5 pouces, lui, il n'aura jamais les capacités de celui-là. Ah oui, après, ouais. Aussi, sur, au niveau prise de vue. Non, mais... d'être un très bon pilote et mais même, bien même. Réglé. Regarde ce qu'on disait un petit peu, bon là, vous rentrez dans notre vie privée. Il y a un truc qu'on aime bien faire avec Yacine, vous avez dû le voir, c'est voler à deux, faire un peu de chasing, même si on n'est pas super doué, on progresse doucement, du chasing ou filmer un drone avec un autre drone. Bah, quand vous faites ça avec un racer, on peut le faire, hein, on peut, vous avez un tilt sur le racer à la base quand vous pilotez. Vous pouvez anticiper avant de décoller, vous mettez votre caméra à plat et vous gardez votre drone pour faire pour filmer l'autre qui va passer à côté. Mais un racer aura toujours ce petit drift quand vous êtes en l'air, surtout quand vous avez les lunettes sur la tête. Vous voyez pas si votre drone il se déplace d'un mètre
ou 1m50, oui, on va pas le voir si on est à 30 mètres de haut, ça c'est sûr et certain. Déjà, quand on avance vite, on a l'impression de ne pas avancer quand on est haut, quoi. Mais on n'aura pas cette stabilité, cette fixitude. J'aime bien dire ça. Beaumaker, tu m'as coupé la parole, j'allais le dire. Ah, tant pis, j'en ai un d'avance sur toi. Oh bah, oh là, le traître. Bref, avec le DJI, on va pouvoir pousser un petit peu ça. Non seulement on va pouvoir faire du chasing avec des images magnifiques et un rendu dans le masque superbe de façon à bien voir tous les points de détail, mais on va aussi pouvoir faire de la prise de vue de drone, ce que je disais à Yacine, je peux me mettre à un endroit fixe avec l'engin, mettre la caméra à plat et me stabiliser au-dessus d'un arbre bien précis, etc. Que Yacine sache où je suis et il va passer devant moi, je vais pouvoir wouam, le filmer très très proche, très très nettement, et j'aurai juste une rotation à faire avec le DJI pour le garder tout simplement dans ma ligne de mire. Donc ça va ouvrir des perspectives de prise de vue auxquelles on pense même pas encore maintenant. On va y penser sur le terrain, c'est clair. Donc, beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais en tout cas, sortez-vous de l'idée, et ça, c'est primordial, qui va remplacer votre 5 pouces, tout simplement. Non, ça, voilà. Ou même votre 3 pouces, 3 je dis 5 oui, pouces, non, mais voilà. Parce que c'est l'habitude avec le freestyle, mais il ne remplacera pas l'éclate que vous avez avec votre petit racer, c'est clair, on ne retrouvera pas ça. Et vous ne prendrez jamais autant de risques, à part si vous êtes Crésus, vous ne prendrez jamais autant de risques et autant de plaisir de surtout, ne serait-ce qu'au niveau du temps de réponse, de la latence, etc. Je pense qu'on aura quand même une différence avec ce drone par rapport à de l'analogique, par exemple. Ouais. Je ne compare même pas à un numérique. Ouais, ouais. Je compare à un analogique, tout simplement, avec une bonne petite cam et un VTX tout simple. Je pense qu'on n'aura pas cette rapidité, nervosité, ne serait-ce que pour le vol en juicy. Comme on parlait tout à l'heure, le juicy, c'est, vous savez, ceux qui font du freestyle, mais sur des petits espaces avec plein d'obstacles et qui arrivent à bouger entre les obstacles très très vite avec un drone freestyle. Jamais on fera ça avec le drone DJI, c'est sûr. Il faut un drone qui répond au doigt et à l'œil et une caméra qui renvoie au doigt et à l'œil aussi instantanément. Quoi. Pas de race non plus, non. Donc voilà, évidemment. Il n'est pas fait pour la race, il n'est pas fait pour le freestyle comme on l'entend, bien sûr, même si on va pouvoir faire un peu de freestyle, bien sûr. Un power loop, c'est clair. Mais voilà. De très bons pilotes vont pouvoir s'amuser, c'est clair, à faire. Voilà, on fera un peu toutes les figures qu'on fait en freestyle, toutes les figures simples. Il y a juste le juicy qu'on n'attaquera pas. Et puis, voilà, on aura certainement avec ce drone un peu plus de drift, certainement. Sauf en ligne droite. Hein. En ligne droite, il garde sa trajectoire, c'est plus qu'impressionnant. Mmh. Et l'avantage de ça, c'est que pour ceux qui vont s'initier avec ce drone, à tout moment, il y a le bouton « j'ai la trouille ». Ouais, il y a carrément. Le bouton « panique », on appuie dessus, le drone s'arrête et non, il attend. Il y a vraiment les étapes. Vous posez la télécommande, vous allez vomir et vous pouvez revenir. Il y a les étapes, voilà, mode normal pour voler comme un Mavic, entre guillemets, mode Mavic comme ils disent certains, le mode sport qui permet de commencer à voler... un peu en mode accro, mais pas total. Dans le mode normal, il y a le détecteur de l'anti-collision. Ouais. Donc là, vous ne pourrez pas cracher, sauf si vous allez en marche arrière sur des... Enfin, si vous cherchez, vous allez trouver. Ça, oui, c'est clair. Il y a toujours moyen. Mais il y aura le mode anti-collision. Sur le mode sport, vous avez plus l'anti-collision, mais on vous prévient quand même quand vous vous approchez de certains obstacles, sans arrêter le drone. Mmh. Après, oui, on va avoir le mode un peu manuel, où on va pouvoir retrouver les sensations du mode accro, ça ce sera d'origine dans la radio, mais sur lequel vous ne pourrez pas vous retourner complètement, ça fera une sorte de mode accro stabilisé, un petit peu, c'est un mélange entre les deux. J'allais dire horizon, mais même pas en fait, parce que tu peux pas aller au bout. Non, tu peux pas le retourner, donc c'est vraiment du stabilisé avec un blocage d'angle, tout simplement, sauf que on n'est pas, si on lâche tout, je sais pas si on revient droit ou si on garde la... La direction, Je pense qu'on reste en mode accro, mais avec un blocage. Avec une limite d'angle, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on attend encore de tester pour se faire vraiment l'idée de ce que ça va donner. Il y a déjà plein de vidéos. Et après, il y a le moyen de débloquer, justement, non seulement sur le stick, ce que tu me disais tout à l'heure. De la radio, sur le stick de throttle, parce que là, il est en retour de force, comme un Mavic, exactement. Mais si on veut faire de l'accro pur, il y a une vis à retirer pour débloquer le throttle. Et après, on va dans les options, on débloque carrément, justement, ce blocage d'angle pour pouvoir faire de l'accro réel, retournement, etc., flip, power loop et tout le tintouin. Donc là, on ne peut pas le faire sans le faire exprès.
C'est ça. Non, non. C'est, voilà, il faut c'est le chercher. Volontaire. Ça peut pas arriver sans que vous le sachiez. Ça, c'est plutôt bien, même en appuyant sur un bouton sans le faire exprès. Non. Ça, il faudra vraiment le voir. Ah, puis on peut tout régler à partir du masque après. Voilà, c'est ce point home. Alors, ce point home, moi, oui, ça m'hallucine. Mmh. C'est un gadget, enfin, c'est un gadget génial. Les gadgets, j'ai envie de dire superflus, c'est les petites lumières qu'on peut changer, tout ça. C'est fun, mais c'est du superflu. Le gadget génial, c'est même plus un gadget, c'est ce fameux point home. Ça, je trouve ça génial. Ouais, ouais. Comme en réalité augmentée, quand vous allez décoller, vous vous retournez, enfin, déjà, sans vous retourner, vous voyez votre petit H qui traîne dans le coin de l'écran, et quand vous vous retournez, vous voyez directement le H qui est à l'endroit où vous avez décollé. Vous avez juste à le suivre pour revenir. Je trouve ça génial. Voilà, j'ai dit génial 15 fois, et ben, du beau maker pour la peine. Mais ouais, je trouve ça excellent d'avoir... Non, pour moi, ils ont fait un bon produit dans le domaine, voilà, de la cinématique dynamique. Ouais, c'est après, ça. C'est ça. Avoir les tests. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Voilà, je vous dis, pour faire un petit peu de chasing, mais ça peut être même pour filmer une voiture, etc. On a vachement plus de facilité déjà en pouvant orienter la caméra, bloquer la gimbal ou pas, etc. On va pouvoir s'amuser un petit peu plus. Puis les personnes qui veulent pousser, au niveau du réglage des ISO, tout ça, pendant un vol, si la lumière a changé, on peut s'arrêter, le remettre en stabilisé, régler dans le masque les ISO de la caméra et on repart. Tiens, pour copier sur JB, devez-vous acheter ce produit ? Bah, j'ai envie de dire déjà, ça dépend de vos moyens et ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez les sensations d'un 5 pouces de freestyle, aller vers un 5 pouces freestyle, tout simplement. Si vous êtes fan de prise de vue, de vidéo, que vous voulez ajouter à ça un peu de dynamique, un peu d'accro, tout en gardant la sécurité de l'engin, ouais, franchement... Bon investissement, ouais. Faut y aller, parce que moi, à mon avis, ça peut qu'augmenter. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un premier jet de DJI. Chaque fois qu'on a dit DJI, on va se faire défoncer. c'est un premier jet de chez DJI. Et pour moi, c'est qu'un début. Donc, j'ai presque l'impression que celui-là, ce pack-là, il est à un prix d'appel. Ouais, ouais, il peut-être. Il est à un prix ouais. d'appel parce qu'on va aller que sur du mieux par la suite. C'est pareil, là, on parle pas des mises à jour. Mais avec les mises à jour, il y a des fonctions qu'on n'a pas encore, qu'on va avoir certainement. Au pire, on va pas rétrograder. Ça, c'est clair. On peut que s'améliorer. Donc, ouais, voilà. Et donc, ils vont pas tuer le game par rapport au FPV Oh là là, mais non. Pas du tout. Mais non. Pas, donc, non seulement l'analogique a encore de beaux jours devant lui. Le numérique a aussi des beaux jours devant lui. Oui. Ceux qui ont le masque FPV, ceux qui ont le masque V1 avec une bonne radio et des bons petits drones, n'allez pas tout revendre pour acheter ce pack-là. Parce que vous allez regretter. Vous allez regretter, c'est sûr, de ne pas pouvoir prendre votre petit 3 pouces, votre petit Whoop, votre petit 5 pour aller faire un petit peu d'adrénaline ou faire le fou, tout simplement. Quoi. Vous allez regretter. Vous allez frustrer, c'est clair. Donc voilà, ça ne remplacera pas. C'est sûr et certain. C'est un plus dans le hobby, voilà. Carrément, c'est un gros plus dans le hobby. Posez-vous la question de savoir si vous aurez l'utilité, tout simplement. Il faut, c'est ça, ouais. Il faut être fan d'image, il ne faut pas seulement être un débutant FPV. Si j'ai envie de dire, si vous êtes débutant et que vous êtes gavé de thunes, ça peut être un super drone pour débuter, parce qu'on a tout. Oui, il n'y aura pas la partie paramétrage, il n'y a pas de balle. Voilà. Tout va se faire directement de la radio et du masque, lancement d'enregistrement, etc. et le paramétrage. Vous n'aurez rien à régler de particulier, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de démontage, etc. Vous allez tout pouvoir faire. Donc, si vous avez du pognon, entre guillemets, et que vous débutez, pourquoi pas ? Voilà, c'est un petit pack à 1000 euros. Moi, je connais des débutants qui ont dépensé plus que ça. Dans premier matos, ou dans du matos qu'ils ont dû renouveler parce qu'ils avaient cassé, parce qu'ils avaient raté, parce que ceci, parce que cela. Les 1000 euros, on les atteint facilement. Ah donc, oui, ça va vite, oui. Mais c'est clair, ça va très très vite. Donc oui, pour débuter aussi, voilà, si vous avez les moyens, vous allez pouvoir goûter à tout avec ce petit drone. Et pourquoi pas vous donner envie, après, de passer à un 5 pouces freestyle pour vraiment pousser l'option freestyle. Mais ça vous aura permis de goûter. En toute sécurité, voilà, parce que même en version freestyle manuelle, pardon, je pense qu'on a accès au stop panique, on a accès au retour to home, batterie faible, retour to home également, tu me parlais distance aussi,
Il va calculer le temps de vol par rapport à l'autonomie que ça a bouffé dans la batterie, tout ça. Voilà, s'il estime que vous êtes allé trop loin par rapport au return to home, enfin par rapport au retour, il va le déclencher tout seul pour vous revenir. Par contre, je pense qu'il va pas calculer la force du vent. Non. Prenez garde de si vous pouvez voler avec le vent en face de vous, parce que si vous partez voler avec le vent dans le dos, il va faire un premier aller si vous poussez loin, même si vous n'avez pas forcément très le droit. Vous poussez très très loin, il lui faudra plus d'énergie pour revenir s'il a le vent en face. Donc alors, ça peut être mal calculé. Petit truc marrant par contre, j'ai eu des mecs qui ont voulu décoller en zone interdite. Le drone n'a pas armé. Ah non, non. Parce qu'il détecte automatiquement qu'il est en zone interdite. Voilà, ça c'est un gros plus aussi pour les professionnels ou pour les andouilles. Ceux qui avaient des questions pour les mecs qui vont faire le con en ville et tout, ils pourront pas. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri de hacks, de oui, crack, bon, etc. Voilà, c'est des encore une fois. Mais d'origine, voilà, si vous n'avez pas le droit de voler, vous ne volerez pas. C'est ça. Donc, écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions dans les commentaires. Non, je pense pas, parce qu'il va y avoir trop de questions. À la limite, je vous donne rendez-vous pendant le live, parce que pendant le live, on en reparlera, on en saura un petit peu plus. Est-ce que tu l'auras reçu? Non, je pense pas. Non, si c'est fin mars, non, à mon avis, déjà, il va partir peut-être fin mars. Il sera expédié fin mars. Avant le 15. voilà, moi je l'attends pas, j'attends pas l'expédition avant fin mars, de toute façon. Je me suis fait une raison, voilà. Moi, je suis pas pressé, qui va piano va ça, non. Beau maker. Donc voilà, on vous en dit pas plus sur le DJI FPV parce que on l'a pas testé. On reviendra dessus, je pense qu'il y aura pas mal de revues déjà en anglais pour ceux qui veulent aller les voir. Ouais. Donc arrêtez de le défoncer, là, ceux qui le défoncent, parce que vous le défoncez pas dans le bon sens. Voilà, c'est pas un racer. Oui, il y a eu des crashs, oui, mais ça, il y en aura toujours. Non, puis pour défoncer quelque chose, faut tester. Oui, non, il y a eu des crashs avec l'Inspire, il y en a qui faisaient n'importe quoi, elle démarrait sur le parking, etc. Il y en aura toujours des crashs, c'est clair. Après, JB, il a pas eu de chance. Il a tapé dans le bras, ça lui a cassé son bras. Et à voir, on a l'impression que c'est réparable. Je sais pas, hein, mais... Après, ils vont... C'est pas arraché, quoi. Il va y avoir toutes les pièces détachées. Et puis, il y aura les pièces détachées. Par contre, ce sera plus de travail pour changer une pièce. Là, tout est optimisé. Il va falloir démonter beaucoup de choses pour avoir accès à un moteur ou... pas le moteur, mais les câblages, etc. Ça prendra plus de temps, mais en même temps, on le fait beaucoup moins souvent. Ça, c'est clair. C'est très, très rare de changer un moteur sur un Mavic ou sur un Phantom. Donc, voilà. Ouais, on a fait le tour. On va pas le défoncer avant qu'il arrive. Moi, personnellement, j'en pense que du bien. Au prix qu'il est proposé, ce serait un pack à 2 500 €. J'hésiterais un peu. Le drone aurait été à ce prix-là tout seul. Clairement, non. Ouais. Maintenant, ils vendent tout pour commencer avec. Là, franchement, le pack, je vous dis, en reparlant de Banggood, un pack à 1 050 € à peu près, j'ai envie de dire, on les a facilement atteints avec du matériel de base, quoi. Donc voilà, les amis. Beaumaker ? Ah ouais, je savais que t'allais le dire. Donc voilà, on voulait faire court pour cette vidéo. Encore une fois, c'est la vidéo pour le petit PA-01 Lark, ici, de chez Beaumaker. Et même avec l'accent anglais, ça compte. Hein. Donc, bonne petite enceinte, on va la reprendre là pour finir. Mmh. Hop. Je vous l'avais pas dit ça. Ah non. Et non, on a la petite poignée amovible pour pouvoir le balader avec des roulettes comme un petit chariot pour partir en vacances. Ouais, il fallait le voir, ça c'était la surprise de la fin. Tac. Donc cette petite enceinte Beaumaker, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, on a dit plein de trucs. Ça devait être une vidéo rapide, vite fait, et du coup, elle va durer 45 minutes. C'est parce que je suis là. C'est parce que t'es là. Voilà, c'est ça, c'est clair. Donc voilà, les amis, j'espère que vous aurez tout compris. J'espère que vous aurez tout suivi. N'hésitez pas à participer dans le concours pour gagner la petite voiture qui est là. Pareil, pour le concours permanent, pour ces deux petits packs qui sont à gagner également, vidéo de samedi prochain. Et puis celle-ci, samedi prochain aussi. Voilà, donc dans la vidéo de samedi prochain, vous aurez le gagnant de la petite voiture et le gagnant du concours permanent. Les deux gagnants du concours permanent qui devront, bien sûr, le premier qui reconnaît sa commande, comme d'habitude, vous le savez, c'est un jeu dans le jeu, remporte le cadeau de son choix, tout simplement. Et donc pour la petite voiture, tirage au sort pour le nombre de bonnes réponses sur le... C'est ça. Beaumaker, combien de fois a été dit? Donc attendez, la outro quand même, on sait jamais. Des fois, je sais même pas ce qu'on va mettre dans la outro. Il n'y a pas trop de bonus, là, on n'a pas fait de... Non, j'ai fait le con tout à l'heure, mais ça n'enregistrait pas. C'est ça. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de me soutenir et de nous soutenir. Oui, Yacine progresse dans le YouTube. Oui, mais ça me plaît aussi. Il aime ça. J'aime bien. Et franchement, vous n'avez pas fini de le voir. J'en mets ma main à couper dans le feu.
Oh là, dans le feu carrément. De Dieu. Ça roule. Merci à tous. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Boommaker. Boommaker. Boommaker.